Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième essai sur Fut Draft. On se souvient qu'au premier épisode, on avait perdu directement comme des merdes. Et donc là, on va retenter de gagner cette compétition ou d'aller le plus loin possible au moins. Et donc, on va commencer notre équipe. On voit ici que la composition d'équipe est pas mal, ça va franchement. Ça nous permet d'avoir pas mal de joueurs offensifs. Mais on va franchement avoir une équipe pas excellente. On a des bons joueurs, on peut voir qu'on a eu Lewandowski déjà. Mais on aurait pu avoir largement mieux. Donc on voit ici, hein, je ne savais pas trop qui prendre, donc je prends Schneiderlin. Ensuite, ici, je vais prendre Götze pour faire une bonne équipe Bundesliga. On va partir sur une Bundesliga, donc. Donc ici, on prend Rodriguez, le joueur de Wolfsburg. En défense, on a touché une défense assez solide, hein, ça va. Et au but, Leno. Donc c'est pas mal, on réussit à se faire notre petite équipe. Donc là, on voit qu'il ne nous propose aucun joueur en rapport avec le collectif. Donc on va prendre Willens, vu qu'il a 4 étoiles. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ici on va toucher meilleur en carte boost, je crois, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et on voit aussi qu'on a vu Kagawa boost. Ici évidemment on va prendre Neymar. Et ici on prend Sanchez qui s'est présenté deux fois à nous. Alors là en joueur argent on n'avait pas trop de choix intéressant, donc on va prendre ce gars là. Ensuite Klose. Ici on prend encore un allemand, un défenseur droit, donc ça tombe bien parce qu'on n'en avait pas. Et ici, je savais pas qui prendre, donc je suis parti sur Lusako. Et en dernier joueur, on voit qu'on a nouveau, que des joueurs qui ne nous intéressent pas tellement, donc on va partir sur du Konopianka. Et donc voilà, notre équipe, 96 de collectif et 83 de notre général, nos meilleurs joueurs qui sont Neymar, Götze et Leno. Et donc, on a 13 joueurs de Bundesliga, donc c'est pas mal. Voilà donc notre équipe terminée, et on voit que franchement, c'est pas excellent. On a dû mettre Bellarabi en BU parce qu'on n'avait pas eu d'autres BU de Bundesliga. Et donc notre MDC est plutôt nul, hein, 76 de général. Donc sur le papier c'est quand même une équipe intéressante, mais donc il y a deux postes qui sont mauvais, le MDC et le BU. Et donc voilà notre équipe. On va donc partir à la recherche d'un adversaire. Et voilà son équipe, elle est très très bonne. Franchement il a eu du Ronaldo, Lewandowski, homme du match ou Euro, je sais pas. Douglas Costa en MOC, il a eu Isco et Santi Cazorla. Tremolinas, Varane en défense, mais il a une bonne équipe, hein, franchement. 83 de général et 99 de collectif. Et donc sur le papier, son équipe est largement supérieure à la nôtre. Et le match qui commence dès la première minute avec une occasion pour nous. Mkhitaryan qui trouve Bellarabi en profondeur. On a un peu de chance avec un contre favorable dans la surface. La frappe bien arrêtée par le gardien. Ensuite, une frappe qui est repoussée en corner. Une autre occasion pour nous à la troisième minute avec cette tête de Lewandowski magnifique sur la barre. Et de toute façon, il était signalé hors jeu. Lewandowski qui passe la balle à Mkhitaryan. Bellarabi l'obtient, il sert parfaitement Andreasen qui marque le but du 1-0 à la 15e minute. Andreasen, notre MDC de 76 de général qui est le joueur le plus pourri de notre équipe avec notre défenseur droit qui ouvre le score. 18e minute, un corner pour notre adversaire, la tête passe au-dessus. 24e minute, Bellarabi sur le côté droit élimine bien un joueur. Le centre contré pour Lewandowski qui place une tête. Le gardien l'arrête et rentre presque dans ses buts. J'ai pas bien vu, hein. On voit pas bien s'il est rentré ou pas. Une occasion pour notre adversaire à 37e minute. Il court sur le côté avec Ronaldo. Le centre tête totalement dégueulasse avec Lewandowski à la 39e minute. Un partout. Retour des vestiaires, on fait sortir Bellarabi pour faire entrer Neymar. Neymar qu'on va retrouver ici avec une passe de Götze. On réussit à faire un beau dribble, on élimine un joueur. On va rentrer dans la surface de réparation et regardez là, le magnifique dribble, la frappe arrêtée par le gardien et le tir sur la transversale. Donc franchement, on est malchanceux et on mériterait largement mieux. Une nouvelle fois Neymar ici avec deux belles roulettes. On entre dans la surface et on se fait percuter, l'arbitre ne siffle rien. 94e minute, encore une fois Neymar très présent dans ce match. Trouve Götze sur le côté droit. Götze qui élimine un joueur, rentre dans la surface et frappe, mais bel arrêt du gardien. 109e minute. Encore une occasion avec un cafouillage de la défense. On tire une fois sur un défenseur. Une deuxième fois sur un défenseur. Vous allez voir que ce n'est pas fini avec Lewandowski qui contrôle. La frappe bien arrêtée par le gardien. On est très très malchanceux dans ce match. Et on mériterait largement la victoire. Alors que la fin des prolongations approche. 115e minute. Une occasion pour notre adversaire avec un beau relais en passe. Ronaldo frappe mais bel arrêt du gardien. Et la tête qui passe juste à côté. Heureusement pour nous. Et c'est donc parti pour une séance de pénalty qui commence mal pour nous avec cet arrêt sur la frappe de Sanchez. Quant à lui, Samuel Eto'o ne trempe pas sur cette frappe et vient ouvrir le score pour lui. Neymar rate son pénalty une nouvelle fois. Pedro se présente face à Leno et rate heureusement pour nous le poteau qui vient nous sauver. Schneiderlin qui marque enfin un but sur pénalty
après deux loupés de notre équipe. Carlos Vela qui marque pour le 2-1. Lewandowski ne rate pas contre le gardien. De partout. Puis 3-2 avec cette petite frappe de Ronaldo. Et pour le dernier pénalty, Götze manque malheureusement son tir. Bel arrêt du gardien. Victoire de notre adversaire totalement volée au vu de la rencontre. On a largement dominé et après avoir touché le poteau, après plusieurs arrêts de son gardien, on vient donc se faire éliminer une nouvelle fois des premiers matchs au pénalty cette fois-ci. Défaite alors que notre adversaire ne méritait même pas d'aller en prolongation et que nous aurions dû le battre largement, mais malheureusement, un cruel manque de finition. On voit 10 tirs cadrés, seulement un but marqué. On va donc recevoir la récompense du nul pour notre défaite dès le premier match. On va donc avoir 3 packs. 2 packs or et un pack récompense premium joueur de prêt. Donc on commence par le pack avec le joueur en prêt, vu que c'est le moins intéressant, on fait le meilleur pour la fin. Et donc on obtient un gardien, on n'a vraiment pas de chance jusqu'au bout. Hein. Un gardien en prêt, ça ne nous sert donc strictement à rien parce que c'est pas intéressant. Sinon dans le deuxième pack or avec Sergio Aguero, notre meilleur joueur, qui va être un français, Sébastien Corchia, le défenseur droit du LOSC. Donc un pack assez moyen, hein, franchement. Et dans le troisième pack, avec Alexandre Lacazette, le Lyonnais, on va recevoir un pack plutôt pas mal, ça va. Avec un joueur du Real Madrid, Carvajal, le défenseur droit, qui était d'ailleurs dans l'équipe de notre adversaire. Lovren, Durm et d'autres joueurs. Et donc, pour ne pas en rester là dans la vidéo, je vais ouvrir deux packs à 15 000 crédits, parce que sinon ça aurait vraiment été nul à chier. Donc un premier pack avec Messi, et donc dans ce pack-là, on va recevoir un Brésilien, Alan, milieu défensif de Naples, 81 de général, mais bon, je l'avais déjà. Mais c'est pas mal, franchement, un bon pack. On peut leur demander à peu près 4000 crédits, je crois. Et donc voilà, 3 étoiles de gestes techniques. Et donc dans le deuxième pack, avec David Alaba, on va recevoir un gardien, une nouvelle fois, Roberto, un Espagnol, 80 de général. Sinon, on a reçu Irazoui, un autre gardien, 79 de général, Cabela, Kaya, d'autres joueurs pas très intéressants, un milieu offensif de 72 de général. Mais bon, on se revend pas très cher. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Une nouvelle défaite dès le premier match. Mais je vais encore tenter ma chance une troisième fois. Hein. Et cette fois-ci, j'espère aller plus loin. Encore heureux, hein, parce que c'est vraiment nul à chier ce que je fais pour l'instant. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salut !